Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et radio euh, de vie. Nous sommes euh, en direct sur TV radio de vie et, et, et une émission euh, qui va commencer tout à l'heure avec euh, le pain quotidien. Mais je voulais juste apporter euh, une courte exhortation pour euh, euh, mettre euh, pour euh, davantage euh, éclairer les frères et sœurs. Voilà. Donc euh, que Dieu soit béni, mes amis, pour euh, cette soirée, pour euh, votre présence. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce, pour ton nom qui est élevé. Merci pour euh, mes frères et soeurs qui sont connectés ce soir au nom de Yeshua. Amen. Voilà, nous voulons euh, partager rapidement sur euh, un passage, deux ou trois passages, hein, et, euh, qui nous montrent que quelqu'un peut parler de Jésus-Christ tout en étant faux. Quand on prêche sur Jésus, on peut prêcher sur Jésus-Christ et être complètement à côté de la plaque, être dans le faux, être diabolique, être satanique, être un faux prophète, un faux pasteur. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus-Christ, enseigne sur Jésus-Christ qu'il est forcément de Dieu. La preuve en est que dans le livre de, des actes des apôtres, et, euh, et euh, on nous dit au, verset, au chapitre 19, c'est une histoire euh, que beaucoup euh, connaissent. Acte chapitre 19, à partir du verset 13. Alors, quelques exorcistes et juifs ambulants essayèrent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ sur ceux qui étaient possédés d'esprit malin, en disant Nous vous conjurons par ce Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, un homme juif, l'un des principaux prêtres. Mais l'esprit malin leur répondit Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous qui êtes-vous et l'homme dans lequel était l'esprit malin se jeta sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. Cela fut connu de tous les juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et ils furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Voilà donc on apprend ici que ces prêtres, hein, ils étaient sept, hein, donc prêtres juifs hein, d'origine, et euh, étaient fils d'un autre prêtre. Et ils ont essayé, n'est-ce pas, d'invoquer le nom de Yeshua sur une personne possédée. Et le, les démons qui étaient dans ces personnes leur posaient la question en disant, n'est-ce pas, nous connaissons Jésus, nous savons qui est Paul, mais vous, qui êtes vous? Donc vous voyez bien que ces hommes invoquaient le nom de Jésus Christ sur une personne possédée. Pourtant, les démons disent qu'ils ne les connaissaient pas. Et ils se sont enfuis de cet endroit, n'est-ce pas, et, euh, blessés et, et, et nus. Deux d'entre eux, par, 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 euh, eux, selon les Écritures. Donc, vous voyez bien que, mes amis, quelqu'un peut invoquer le nom de Jésus-Christ sur les malades, sur les possédés, sans être mandaté par Dieu. Quelqu'un peut même commencer une église en se servant du nom du Seigneur Jésus-Christ sans être mandaté par le Seigneur. Voilà. Donc, euh, et, euh, maintenant, Paul dit dans Philippiens, euh, n'est-ce pas, il y en a qui prêchent Christ. Et euh, sincèrement, d'autres le font et, de manière euh, tout à fait, bien sûr, hypocrite, mais Christ n'est pas moins annoncé. Mais il faut savoir aussi, selon euh, 2 Corinthiens, et, euh, chapitre, chapitre 11, et, euh, la parole nous dit Paul dit ceci, et, euh, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il dit, euh, et euh, à partir du verset. Et euh, n'est-ce pas euh, trois Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Jésus Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc Paul nous apprend que il y a il y a un autre Jésus, il y a un autre Évangile et il y a un autre Esprit. Donc, il y a des gens qui ont des églises, qui dirigent des églises, qui ont même des sites internet. Ils prêchent, n'est-ce pas, euh, sur Jésus, mais en fait, quand on voit leurs œuvres, leurs œuvres, mes amis, ou leurs fruits, ne sont pas en accord avec l'Évangile. Donc, nous comprenons par là tout simplement que c'est des gens qui ne prêchent pas le vrai Jésus Christ. Et par exemple, vous allez voir. L'Église romaine parle aussi de Jésus, de Jésus Christ. Mais en fait, quand on, on regarde les œuvres, on s'aperçoit qu'il y a l'idolâtrie, on s'aperçoit qu'il y a un mélange. Donc nous comprenons que le Jésus de la Bible n'est pas celui qui est prêché dans cette église, n'est-ce pas, romaine. Parce que le Jésus de la Bible nous dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'autre, n'est-ce hein, pas, d'image taillée. Voilà donc Jésus égale la parole. La parole nous dit dans Apocalypse 19 que son nom est la parole de Dieu. Donc le Jésus de la Bible. N'est-ce pas, quand on le prononce, quand on prononce son nom, ben, on doit en même temps marcher dans la vérité. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée, n'est-ce pas, quiconque invoque le nom du Seigneur hein, s'éloigne hein, du péché. Donc, vous voyez que le Jésus de la Bible, quand on le prêche, quand on le, on le vit, eh ben, on marche dans la sanctification de la sainteté, dans la vérité. Et, euh, et puis, on n'est pas dans l'idolâtrie et on n'encourage pas l'idolâtrie. On est complètement, mes amis, euh, euh, attaché à ça. Parole à sa vérité. Voilà. Donc, euh, il n'y a pas, euh, euh, mes amis, euh, un seul verset qui nous dit que tous ceux qui, mes amis, euh, euh, parlent de Jésus-Christ de Nazareth ou qui invoquent ce son nom sont forcément de Dieu. On l'a vu qu'il y a eu des prêtres qui ont invoqué le nom de Yeshua alors qu'ils n'étaient pas du tout mandatés par Dieu, alors qu'ils n'étaient pas du tout connus du Seigneur. Voilà. Donc, euh, ça, c'est des choses que nous devons savoir. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus-Christ qu'il est forcément de Dieu. Il faut en même temps voir ses fruits. Il faut voir aussi la doctrine que la personne annonce. Bien sûr, la doctrine essentielle qui, est, qui a un rapport avec le salut. Est-ce que le salut est, 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 est prêché sans, bien sûr, le salut, la, 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 le, le salut par la foi Est-ce que la personne dit que Jésus-Christ est seul et le chemin, la vérité et la vie Est-ce que la personne dit qu'il n'y a pas d'autre pasteur véritable Il n'y a pas de véritable pasteur qui échoue Également, sa vie même. Est-ce que sa vie est en accord avec la parole ou pas Voilà. Donc, euh, et euh, voilà, je voulais juste nous exhorter à, à, à vraiment veiller hein, à ne pas croire que tous ceux qui parlent de Yeshua sont forcément de Dieu. Satan est très rusé. La parole nous dit qu'il y a des faux ministères, il y a des faux serviteurs, il y a des faux apôtres, il y a des faux pasteurs, il y a des faux chrétiens. C'est livré, Vous voyez, livré à l'apparence du blé, n'est-ce pas Et Paul dit, c'est des hommes qui se déguisent en apôtres de Christ mais ils ne sont pas des dieux ce sont des envoyés de l'ennemi donc il faut vraiment veiller mes amis à ce que euh, l'on ne soit pas que les gens ne soient pas troublés et euh, voilà donc quand on prêche le seigneur comme la parole le dit il faut en même temps s'éloigner du mal s'éloigner de l'idolâtrie s'éloigner du péché voilà le Yeshua de la bible euh, 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 que nous voulons annoncer que Dieu soit béni mes amis, soyez encouragés. Donc ne, ne, ne quittez pas, euh, ne teignez pas vos, vos télé, vos ordinateurs, parce qu'il y a l'émission avec le pain quotidien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.